Bon, maintenant que tu es bien installé sur YouTube, il semble que tu aies la bonne base de travail, ainsi que tu saches pourquoi tu es là. Mais est-ce que tu sais de quoi tu veux parler ? C'est un choix cornélien. Est-ce que tu parles de tout ce que tu aimes ? Est-ce que tu parles simplement de ce qui te fait plaisir ? Est-ce que tu dois parler d'un truc qui n'a pas encore été fait ? Ou est-ce que tu dois parler d'un truc qui est en vogue ? C'est une décision qui t'importe et surtout, c'est une décision que tu dois réfléchir avant de te décider totalement. Car de ce choix découlera l'ensemble de ta ligne éditoriale et de ce que tu choisiras de faire sur ta chaîne YouTube. Et en ce sens, on peut dire que tu as un sacré poids sur les épaules. Mais ne t'en mets pas trop, hein. Ce serait dommage que tu ne saches pas comment sortir la tête de l'eau, alors que finalement, tout ça est assez simple. Je vais reprendre l'exemple de ma personne pour que tu visualises un peu comment j'ai vu les choses en arrivant. Pour être clair, je ne voulais pas forcément faire tout de suite de la critique. L'élément principal de ma chaîne, je voulais surtout parler de films. Mais rapidement, la critique est devenue la chose évidente que je voulais faire. Mais en particulier, le cinéma fut surtout une évidence et fut surtout un moyen de me dire que j'allais pouvoir partager ma passion et à aucun moment je n'ai remis cela en cause. Car le choix de ton domaine ne dépend que d'une seule chose. Qu'est-ce que tu aimes profondément ? Moi, j'aime le cinéma. Mais le cinéma n'est pas forcément obligatoire parce qu'en ce moment, il est en vogue. Il y a peu de youtubeurs qui parlent de photographie aujourd'hui sur internet, encore moins qui parlent de maquillage ou d'effets spéciaux. Et pourtant, ce sont des terrains qui ne demandent qu'à être conquis. La seule chose qu'il faut voir dans cela, c'est le fait qu'il ne faut pas choisir un domaine par opportunisme, mais chercher avant tout à parler avec un amour immense et un partage incommensurable de ce qui te passionne. Passionne les autres par ta passion. Un adage qui doit être un modèle de création sur YouTube. Il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent sur YouTube et qui tentent de conquérir un domaine uniquement par opportunisme. Ne deviens pas une de ces personnes. Sois simplement celui qui aimera partager quelque chose et qui le fera pour transmettre de l'amour et non partager simplement du banal pour remplir un vide financier à la fin du mois. Cela est la pire chose possible et cela reste une forme de cancer sur Internet. Quand cela sera chose faite, nous allons envisager l'idée de savoir ce que tu dois mettre dans ce domaine.